Comment remonter une pointe avec des injections d'acide hyaluronique dans le nez? Une des demandes de correction de la pyramide nasale est le profil d'un nez qui aurait tendance à plonger avec une pointe qui serait trop basse. Évidemment, la chirurgie et la rhinoplastie chirurgicale nous permettent de corriger amplement les défauts d'une pyramide nasale, mais les injections nous permettent aussi d'apporter parfois certaines corrections intéressantes. Comment remonter une pointe avec de l'acide hyaluronique? Eh bien, il y a deux points particuliers à injecter pour remonter la pointe et changer finalement un profil qui, de triste un petit peu ou un petit peu marqué, devient plus souriant, plus féminin. L'idée, c'est de repousser la pointe vers l'avant, de la remonter. Qu'est-ce qu'on fait? On vient injecter à la base du nez, sous le pied des cartilages de la pointe, pour les pousser, pour les remonter. Il faut que ce soit fait avec un acide hyaluronique en petite quantité, mais suffisamment volumateur, suffisamment résistant, pour qu'il arrive à exercer sa pression et remonter la pointe du nez. Quand ceci n'est pas suffisant, on peut également injecter une petite quantité d'acide hyaluronique sur le dessus des cartilages, des dômes, des cartilages de la pointe pour protéger, pour projeter encore un petit peu plus. Et ceci va nous permettre de créer la petite angulation, la petite pointe qui donne aussi au nez la sensation qu'il remonte un petit peu. Voilà les deux points clés de l'injection d'acide hyaluronique pour remonter une pointe nasale. Merci.